Salut et bienvenue à la chaîne 7 du salon. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Maman, franchement, on s'y attendait pas, mais on a atteint les 200 abonnés. Les 200, je vous adore, purée. 200 personnes qui ont décidé de s'abonner à notre chaîne. Enfin, c'est super. Super contents. Vous êtes des amours, les mecs. Hein. Et donc, chose promise, chose due. Ouais. À 100 abonnés, on avait fait gagner 10€. Là, pour les 200 abonnés, on offrira donc à l'un des abonnés 15€. Il faudra juste nous préciser, par contre, lorsqu'on vous contactera, si vous êtes plutôt sur PS4, Switch. Alors après, si vous êtes sur des consoles un peu rétro, il n'y a pas de PSN. Il n'y a pas, ouais. On essaiera, vous nous direz peut-être, je sais pas, une carte cadeau. Vous me dites dans quel magasin vous voulez. Voilà, on s'arrangera. Et cette fois-ci, parce que j'ai vu que certains parmi nos abonnés faisaient ça, des concours, et ils utilisaient notamment un site que je dois revenir souvent, c'est Random. Donc on va essayer de voir comment il fonctionne, comme ça on vous filmera la sélection. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. Donc là, pour fêter nos 200 abonnés, on s'est dit qu'on va, Seth du Salon a déjà fini Rule Warriors, mais comme moi j'ai envie de le découvrir, on va le découvrir à deux. Ouais. Et je vais essayer de convaincre en plus. Voilà, donc tous nos abonnés qui sont intéressés par ce concours et qui souhaitent pourquoi pas donc gagner ces 15€, il faudra tout simplement mettre votre nom dans les commentaires. Voilà. Voilà. Donc si vous n'aimez pas le jeu, on vous oblige même pas à le regarder, mais juste dire, parce que je sais que sur la chaîne, j'ai vu qu'il y en a qui sont plutôt Team PS4, vous allez nous voir des Mortal Kombat, il y en a qui sont plutôt sur les jeux rétro, j'ai bien vu qu'on touche vraiment des publics différents. Là, Hyrule Warriors, concrètement, on est sur du Nintendo, parce que c'est un jeu qui est sorti sur Wii U, qui est sorti sur 3DS et donc là sur Switch. On n'est pas du tout sur la Team PlayStation Sega, là je peux comprendre. Je suis désolé pour vous, hein. Qu'on touche pas, donc voilà, juste ça, donc vous mettez votre nom, vous mettez je participe, ou vous me dites un petit truc, et alors après peut-être le temps qu'on voit comment Random fonctionne, et puis laissez aussi la chance peut-être à de nouveaux abonnés. En parlant des nouveaux abonnés, ne pensez pas qu'on fait ça pour gagner des abonnés. La preuve, c'est que on nous offre quelque chose. Nous, ça nous fait plaisir. Enfin, vraiment comprendre que nous, cette chaîne pour nous, d'ailleurs, on rigole souvent dans nos vidéos. On est comme ça. C'est nous, on ne fait pas ça pour avoir des abonnés, parce que nous, l'argent, c'est pas un souci. On en a, nous. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas pour ça. YouTube Money, s'en bat, là. Franchement. Voilà, nous, ce qu'on s'est fixé d'ailleurs, c'était 500. On a parfaitement conscience. Que maintenant YouTube, non, nous ce qu'on veut c'est pouvoir toucher des gens qui aiment les jeux vidéo, qui aiment le rétro, les années 80, les jeux actuels. On partage également beaucoup de choses avec nos enfants, parce que du coup PS4 on connaît quand même très bien, parce qu'on voit à quoi ils jouent, et mon portefeuille aussi voit très bien à quoi ils jouent. On a envie que vous soyez nombreux et que l'on soit tous là à partager nos passions, quoi, c'est tout. Donc maintenant que cette petite annonce est faite, on va faire une petite pause et tout de suite après le début d'Hyrule Warriors. Oui, tout de suite, Encore merci. Ne quitte pas la vidéo, ne quitte pas. Donc de retour donc pour cette vidéo découverte Hyrule Warriors. Donc on vous fait un petit topo, donc c'est un jeu vidéo. Alors peut-être certains d'entre vous ont vu les vidéos de Stefano. Alors c'est pas un beat'em all, hein. Oui, c'est vrai que ça se confond un peu. Hack and slash, donc c'est un jeu qui a été répertorié en fait par plusieurs spécialistes, videojeux.com et autres, dans la famille de Diablo 3 par exemple, pour vous donner un cadre bien précis. Ça a été développé par Omega Force et Team Ninja. Donc comme on vous l'a dit, c'est un jeu Nintendo. Il est sorti donc sur Nintendo Wii U en 2014. Donc c'était à l'époque un petit peu une innovation, on va dire, pour Zelda. Ça a été une touche de nouveauté. Le crossover entre Legend of Zelda, et Dynasty Warriors. Donc d'ailleurs, vous allez voir au niveau du gameplay, je pense que c'est un jeu que beaucoup de gens peuvent jouer sans être forcément fan de Zelda. En plus, il y a toujours le code de Zelda. Et ils ont mélangé le code de Zelda avec celui de Dynasty Warriors. Voilà.
Donc il est sorti donc sur 3DS aussi. Donc 3DS. Ça c'était en 2016. Donc ils l'ont bien laissé travailler sur la Wii U pendant 2 ans pour la rentabiliser quand même. La musique c'est Masato Koike et Yuki Matsumura. Donc c'est un jeu qu'on peut jouer à un ou deux joueurs. Hein. Et donc voilà, donc c'est un hack and slash, donc c'est un jeu d'action, donc vous allez voir de toute façon dès le début. Et donc voilà, on vous le recommande. Donc oui, maintenant que cette du salon l'a fini, parce que normalement vous allez voir, je pense qu'on va le voir toutes les rubriques, on les voit là, quand on va avancer. Normalement vous n'avez pas tout au début, vous n'avez qu'un certain mode, vous avez certaines choses. Du coup là tout est débloqué parce qu'on l'a déjà fini, mais on va essayer du coup, enfin il va essayer de me briefer dessus et de me le faire découvrir jusqu'à la fin. Et en plus qu'il n'y a pas tous les armes non plus, hein, parce que. C'est des centaines d'heures à faire. Donc là, tout de suite, on y va. Hop. Alors moi, je ne sais pas du tout comment ça se présente. Donc vous voyez, normalement, quand vous commencez, vous n'avez que le mode légende. Tout le reste, il est anglais. Tout le reste, ouais, c'est pas débloqué. Mm. Alors, mode libre pour jouer à deux. Voilà. Et on peut jouer... Enfin tiens, tu sais quoi, si on va commencer par le début. Hein, oui, c'est peut-être mieux. Oui, oui, tiens. Alors pour jouer à deux, il faut que tu appuies sur le joystick L. Le joystick et L. Ouais. Non, le joystick. Le joystick L. C'est la fille. C'est ça, le joystick L. Non, tu appuies dessus. Voilà. La fille qui est fatiguée, tu sais. C'est bon ? Bah, je sais pas. Bah, lâche. Ouais, ça commence bien comme vidéo, j'ai envie de vous dire. Ouais. Purée. D'accord. Non, en fait, il y a eu un temps de latence sur la manette. Pourtant, les piles sont bonnes. Enfin, les piles, la batterie, je veux dire. Voilà, du coup, il faut que tu appuies sur A. Bah, c'est ce que je fais. Ah, non, en fait, c'était moi qui fallait appuyer. Ah, d'accord. Alors, moi, je vais prendre Link, hein, parce que j'adore Link. Du coup, moi, je suis ouf. Bah, attends, ça va venir. Ah. Sur la tenue de Breath of the Wild. Voilà, moi, je vais le prendre. Hop, ensuite je vais prendre avec. Oui, donc on peut sélectionner, c'est ça, une arme hein, qui va avec le personnage. Oui, on peut prendre même aussi des. Des baguettes spéciales. Hein, ouais, voilà. Mais moi j'ai toujours pris celui-là depuis que je l'ai débloqué. Et voilà. Et du coup, avec la fée hein, qui ne sert pas à grand-chose. Alors toi, tu veux quel personnage ? Pourquoi c'est toi qui choisis, c'est pas moi ? Ouais. Enfin, je sais pas, vous, je peux voir. Ah, celle avec les nattes, là, en bas, là, ouais. Ah, c'est Linkel. Ouais. Hop. Alors, du coup, ben, la meilleure arme, ben, c'est celui-là ou celui-là. C'est à toi de choisir. Soit tu veux du feu. Ouais, le feu. Ouais, ou alors si tu as 3 en force. Hein. Ouais. Et le feu, c'est combien la force ? C'est que attaque du feu. Ouais, mais moi, là, le truc fort 3, là, ouais, ça. D'accord. Alors, hop. Et avec la même fée, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et là, on va prendre un troisième joueur. Ah, c'est bête, on ne peut pas l'envoyer tout de suite. Et le 3, c'est quoi? C'est l'ordinateur? Ouais, bah oui. Ouais, tiens, on va faire un bébé Link. Hein, ça, on va dire que c'est... hein, on aura la famille. Ouais. Bon, alors... Le truc, c'est que moi, je vais être en haut, et toi, tu vas être en bas. Ok. Donc, vous pouvez équiper une arme en la choisissant dans une liste lors de la sélection du personnage. Donc, ça, c'est ce qu'on vous a dit. Puissance d'attaque. Sa valeur est déterminée par la puissance d'attaque de base de l'arme et son nombre d'étoiles, rareté. Ok. Plus elle est grande, plus les dégâts infligés sont importants. Il faut faire attention aux étoiles. Alors, capacité. Elles permettent de gagner différents effets selon leur type. Capacité scellée. Elles sont disponibles une fois un certain nombre d'ennemis vaincus. Élément. Utiliser le bon élément pour le bon ennemi ou le bon niveau peut vous permettre de progresser plus facilement. Vous pouvez équiper une arme. Et puis là, c'est ce qu'on peut faire. Voilà. On peut faire de la musique. Bon, voilà. Alors, toi, tu seras au milieu de la map. Ah ouais, d'accord. On n'est pas au même endroit. Oui, okay. Ouais. Et puis moi, je suis dans le champ de guerre. Tu sais que je commence, qu'on peut être pas trop sur moi. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est on va rigoler. Le temps limite 60 minutes, c'est le temps où on va batailler. Une heure, ouais. Ouais, faut espérer que. Que tu vas tenir une heure. L'armédia tienne surtout. Voilà. Allez, on y go. On y go. Bah, pour ça, il faut que tu montes en haut. Voilà.
Au pire, je sais pas si néanmoins on peut faire des pauses. On peut faire des pauses sur ce jeu? Non. Bon bah, on va tenter 60 minutes d'avant média. Oh, mais t'inquiète pas, hein, c'est 60 minutes Alors, attends, je regarde. Du temps. Tu vois, okay. Genre, c'est après 60 minutes que t'as perdu, mais généralement, tu ne mets pas 60 minutes pour finir cet endroit. Quoi. Donc moi, je suis quoi? Moi, je suis le point jaune, c'est ça? Attends, je vais arrêter de bouger. Tourne sur toi-même. Là, tu fais comme ça, là. Attends, juste savoir. Attends, attends. Non, mais moi, je suis tu es le point je suis bleu. Ouais. Ah, ok. Tu es le point bleu. Dédédédé, ça, c'est toi qui as fait ça. Hein, c'est quoi ça? C'est... Elle est rentrée en moi. C'est juste une fée pour te remettre de la vie une fois que t'as des problèmes. Faire le ménage. Bah ouais, faut faire le ménage, hein, parce que sinon après c'est tout. C'est tout azimut, hein. Ok, donc on ne peut pas passer par là. Ah mais c'est bouche de braise. Attends, tu comprends pourquoi je l'appelle bouche de braise? Tu as réussi à me mettre en colère. Par la main du phénix. Elle, elle est là, c'est juste pour le fan service. Pouf, je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Oh non! Oh non! Merguez. C'est con pour un homme dragon d'être mauvais comme ça. Ah, t'as vu comment elle est trop en kiffant ouais. Sur Link, elle fait oh, il est trop beau. Ah, début de la mission. Eh ouais, je t'ai balayé, mec. Nice. Ça, c'est à cause de, d'un jeu, hein. J'ai appuyé sur A pour ouvrir le coffre. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais pas, je suis loin, je crois. Ouais. Ah, il faut que tu arrives à t'orienter avec la carte. Ouais, mais c'est pas évident, hein. Oh, tu vas t'y faire, hein, parce que même moi, tu sais, la première fois que j'ai joué à Dynasty Warriors, c'était... Oh, c'était une purée de cata. Oh, merde. Je recommence mon bordel. Ah oui, ok, d'accord. Oh bah ils sont mignons, hein. Ouais, t'as vu? Il y a des petits diablotins.
Ouais, j'adore entendre le bling 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 bling. Ok, donc il faut que je monte du coup. Mais au plus vite même. Je pense que c'est fermé là. Ouais. Ah la vache, pas tant que t'auras fait certains trucs, les endroits ils vont pas s'ouvrir. Ah non, en fait je suis bête, j'aurais dû pas s'ouvrir. En fait j'avais. J'essaie de venir au plus vite hein. Coucou. Je suis passé à côté de toi. Ah ouais? Ouais. Encore d'autres, j'ai faim. Voilà, tu t'en sors? J'essaye. T'essayes? Ah, t'inquiète. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. La, 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 la. Elle est concentrée, hein. J'ai pas envie de passer pour une nulle, même si je le découvre. Hein. Attends. Mais non. C'est simple comme bonjour, ça. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Mange cette petite. Mission complétée. Perdu sans bruit. Ah ouais. Ah. Bah quoi, je suis là, là. Eh ben. Y a un truc que j'ai oublié de faire ou quoi? Je comprends pas. Ah oui, il faut l'accompagner. Voilà, voilà, voilà Triforce. Eh bien là, Zelda, vas-y, continue ton chemin. T'inquiète pas, je suis calme survivant. Là. Mission terminée, voilà. Allez!
elle prend rouge, mais j'arrive là. Mais... Tu m'as dit que moi j'étais le bleu. Tu m'as plus chez qui. Ouais, moi je suis le bleu. Oui, t'es le bleu, oui, t'es le bleu. Je peux peut-être entrer là où j'aurais fait du rouge. Ouais, je crois que je m'en approche. Ah ouais, c'est fermé là, je peux pas rentrer par là. Ouais. C'est chier. Mais non, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, gamin, j'arrive. Comment t'es passé, toi? Là, en fait, tu vois des espèces d'espaces dans chaque endroit. Tu sais, comme des portes qu'il faut que tu passes dedans. Ah, on va tout péter. Je te vois. I see you. I'm see you again. Enfin, comme ça, je crois qu'on dit. Maintenant, il faut que je me rende là-bas où je sais qu'il y a une croix verte. Tu vois, c'est... on court beaucoup et on tue pas mal de personnages, enfin de monstres. Pour ensuite, après... débloquer des aventures, quoi. Mais pourquoi chargement? Tout ça. Je sais pas, il m'a mis le petit personnage. Ah, c'est parce qu'en fait, tu peux changer de personnage, en fait. Ah, bah, je sais pas comment je fais. Bah, appuie sur, Attends. Merde, j'ai fait con. Je cherche la touche. Je me rappelle même plus. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas touché. Pourquoi moi, je joue de la flûte avec... Il est nul, ce personnage. Ah voilà, tu appuies sur la flèche du haut. Sur la croix direction L, bébé. La croix direction L. Ah! Ok. Très bien, hein. Donc moi je suis le bleu, ok. Allez. Le pouvoir de la Triforce! Oh non, mince! C'est vrai que c'est elle, là. De la Boniforce. On dirait Diana plus tard. Ouais, putain, je la laisse même pas sortir de la maison. C'était quoi? C'était un travesti ou c'était une vraie femme? C'est quelqu'un qui a un partenariat avec ses forts. Ah, d'accord. Mariono Yves Rocher. Mariono Yves Rocher. Les trois magasins, ils ont fait fournisseur officiel. Ah, d'accord. Elle a un sponsoring. Ah. Ça explique la chose. Ouais, t'as vu les portes maintenant qui se sont ouvertes à certains endroits et qu'il faut y aller. Là où c'est que ça clignote, par exemple. Là, c'est refermé, là. Faut qu'on descende. Ouais, un Skylander. C'est Brother. Ouais. On aurait pu, hein. Un Brother qui est malade. Le roi de Dongo. Ouais. Un Pyrocératops. Un quoi? Un Pyrocératops, c'est l'écrit, non? Un Pyrocératops. Oh, l'immense trou qu'il a fait. Oh non, c'est pas là, ça doit être là. Je suis devant, je t'attends. Oh non, non. Tu es devant où? Je suis devant le monstre. Ah,
Je suis pas là, t'es où, mais t'es là. Ah là là. Ah là 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 là. Je te vois pas. Je vois la flèche, pourtant t'es jaune. Non, moi je suis vert. Oh ouais, mais merde, moi je suis la flèche jaune depuis tout à l'heure. Ah. You win. Et voilà, maintenant on doit aller là où... Attends, déjà j'essaie de me retrouver là-dedans. Je suis refermée cette merde là. Une galère ce jeu. Mais non, il est bien ce jeu. Ah non, super. Mais il est bien, mais c'est une galère. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre directement dans le château ou on... Bah attends, viens, je te cherche. Ah. Bah écoute. Là. Oh bah là, c'est une cinématique. Tu m'as sauvé la vie. Là. Son Altesse Zelda est introuvable, mais je pense qu'elle est saine et sauve. Nous devons la retrouver et pour cela, j'aurai besoin de toi. Ah ouais? Et pourquoi? Link, tu dois devenir un héros digne de cette tenue. Enfile cette tenue et va te faire... défoncer par le boss. La Triforce est l'union harmonieuse de la force, de la sagesse et du courage. Ah, la Triforce. Elle a toujours été source d'affrontement entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Chaque fois que la Triforce tombait entre les mains des forces du mal, Hyrule était plongé dans le malheur. Mais chaque fois un héros, plus de verre vêtu, ramenait la paix dans le royaume. Durant l'une de ces guerres, le héros légendaire brisa l'esprit du mal en 4 fragments. Ils furent ensuite scellés pour mettre fin au cycle de la destruction. Trois de ces fragments furent dispersés à travers le temps et l'espace. Le dernier fragment fut enfermé dans un temple érigé sur une terre sacrée, puis scellé par l'épée purificatrice. C'était une petite histoire du bonhomme de la montagne. Moi, je propose, tant qu'on est sur cet écran-là, qu'on fasse, on peut faire du coup une pause à Vermedia. Oui, oui, pour être parce sûr que la vidéo bug pas. Oui. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, de retour. Ouais, et de retour pour finaliser le la jeu. La fin de cette aventure. Oh bah oui. Bon bah elle a gagné une Master Sword, enfin une Sword. Hein. C'est la force, ouais. Ouais. Attaque de force 2. Ouais. Elle s'est elle a fait. Ah oui, c'est obtenu, ok, d'accord. Moi, je croyais que c'était peut-être une évolution. Ok. Ok. Ouais, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu as des armes qui te servent à rien dans le jeu, c'est que tu peux les vendre. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein, juste à part booster la force de votre personnage. Donc là, on a fini le premier épisode, quoi. Voilà. On a fini Plaine d'Hyrule. Ok. Voilà. Et du coup, on a mis moins de 60 minutes. Oui, 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 oui. Mais 60 minutes, c'est le temps limité. Ah. Voilà. C'est le temps limite. Bon. Pour alors, ça que je te disais maintenant, t'inquiète pas. Va-t-on réussir un deuxième épisode pour cette vidéo du jour? Ouais, alors c'est soit qu'on se met là et puis que toi t'as un petit peu du mal à gérer, donc on va se mettre dans un niveau qui est un tout petit peu plus facile. Ah bah ouais, je commence moi aujourd'hui. Hein. Et encore, je trouve que j'en suis pas trop mal sorti. Hein. Ah bah oui. Parce que quand tu découvres les manipulations de la manette et tout. Ouais, d'accord. Alors, on recommence. Par contre, il faut toujours inviter un joueur. Hein. C'est ce qui est un peu bête. Voilà, c'est bon. Mais oui, il faut toujours faire ça. Il faut toujours appuyer.
Alors, bah, je vais reprendre le même, hein, histoire de ne pas changer. Hein. Voilà. Toi, tu veux changer? Je sais pas, c'est par rapport aux armes. J'aimerais bien un truc qui ressemble un peu plus à Zelda. Sinon, t'as Ganon, hein, il est pas mal, ça. Ouais, face. Vas-y, allez. En plus, regarde ça, un level maximum. Et puis, comme ça, moi, les abonnés verront un autre personnage. Ouais. Ouais. Alors, au point de vue des armes, je crois que c'est la seule qui est puissante quand même. Voilà, et puis là, on attend le temps de téléchargement qui n'est pas très long. Les Baba Mojo attaquent tous ceux qui se trouvent autour d'elle en répandant du poison. Oh. Elle esquive les attaques normales, il vous faudra trouver un autre moyen pour les vaincre. Oui, c'est des bombes ou alors le grappin. Mm-hmm. Oui. Ou, ce qui est bien aussi, c'est les flèches aussi. Mm-hmm. Ça marche bien, les flèches. Mm-hmm. Et puis pour changer d'arme... ce que je ne t'ai pas expliqué encore, excuse-moi, vas-y, il faut que tu montes. Voilà. La fille qui s'étrange, elle est en fait, pour changer d'arme, il faut que tu appuies sur droite et gauche. Ok. Mets-toi et puis tu vas voir au-dessus d'un truc qui va circuler. C'est Lesbourg. Ok. Donc un raton. Regarde. Après, t'as une série de choix. Bouge pas. Moi, je suis bleu toujours. Ok, et toi t'es où? Moi je suis le vert qui est en haut. Ok. Oh bah on est avec, je suis avec toi. On est l'un côté de l'autre. Alors tu le trouves comment lui? Ganon? Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il est un petit peu lent parce qu'il a de la force, mais lui c'est de la force à l'état brut. Je vais défendre le rubis en bas, il y a un problème. J'arrive. T'as une tête. Oh, alléluia! Et c'est le petit bonhomme là qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild. Link, je vous attends! Comment ça y aller sans moi? Je vais défendre la pierre. Là-bas. Oui, bah j'essaie. Hein. Je travaille. Ouais, fais tourner les crêpes, le gars. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Eh ouais, venez comme vous êtes. Petit connerie. T'as vu, il est bourrin, lui. Hein. Achimini. Thank you.
J'arrive pas à acheter la boule. La boule. J'ai une potion magique, mais je peux pas l'envoyer. Sur la plante là. Pourquoi ils se mettent tous là, là? Ah, en fait, c'était juste pour me faire reculer. Ah ouais, ah ben. Non. T'inquiète, hein, j'arrive. Hein. J'arrive, où tu es, je m'enfuis. N'y va pas, où ça, là-bas. T'inquiète. C'est derrière qu'il fallait aller. Derrière. Ah, faut contourner la flaque. Non, mais c'est là. Je te suis, hein, t'es là. Hein. C'est oui. T'as vu, on fait la paix, hein? Ouais. Ah, c'est l'épée que je n'en ai pas besoin. Bonjour, je suis Cara Design. Je suis fait, je vous attendais. Ah bah, c'est fait alors. Je vous reconnais comme étant un être différent mais identique à mon maître. Il a pas de bras. Ma mission est de vous venir en aide. Ah, me cache pas. Je vous conseille de faire équipe avec moi. J'ai le choix. Cela vous convient-il? Oui. J'ai peur. Il est obligé de dire oui, sinon il se fait péter la gueule, je pense. Voilà. Bah... Ok, ça se... Ok. C'est là? Oh, bah, c'est quoi alors? Après, là. J'ai rien compris ce qu'elle a dit. Sors de là, Jeannette! I can feel it good. Mais non, là on n'est pas au bon endroit. Je vais voir un truc parce qu'il y a un rubis qui a besoin d'un coup de main. Hein. T'inquiète pas. C'est où qu'on doit aller là? Là où c'est que tu vois un petit truc là, qui a des dialogues en haut à. Enfin, là, je te dis. Purée. Là, attends, ici. Tu viens de m'écraser le pied. Ouais, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle veut faire là? Je la suis? Faut que tu l'accompagnes, oui. Ah, elle s'est arrêtée là. Ah ouais? Tu fais quoi? Bah, je sais pas. Est-ce que tu l'entends respirer? Allez, mes missions accomplies. Ah, bah. Fais atteindre le point de destination. Ok, bon, bah, c'est fait. Je suis avec elle. Le transport de la soupe est terminé. De la soupe? Ah bah. Tout ça pour un transport de soupe. Narisha rejoint le champ de bataille, attiré par l'odeur de la soupe. Oh, c'est ma soupe préférée, c'est toi qui l'as apportée. Pourriez-vous nous créer un passage afin que nous allions combattre ces individus maléfiques?
Je vois, vous ne pouvez pas passer, je m'en occupe. Eh, hey, Kara Design sans bras? Ah, d'accord, c'est elle qui est. Ah, d'accord. Ah, on dirait pas l'espèce de baleine là, dans le premier Zelda sur Game Boy. On aurait dit une baleine, je sais pas quoi là. Et ouais, je couvre tes arrières, ne t'inquiète pas. Ah oui. Oui. Ah, c'est incroyable, il a sauté, comment il a fait? Elle me colle à la peau. Ouais, il est soulagé que tu sois venu à temps. Excusez-nous si on parle pas trop, mais on est dans une concentration. Ouais. Et pas en plus que... Bon, on vous laisse profiter de la musique. Voilà, surtout. Et parce que... Moi, je connais pas le jeu, donc je fais pas encore la manie, hein. Pa-pa-pa-pa. La la la, on tue des petits monstres. Qui n'ont rien demandé à personne. Les pauvres. Ah ah. Kara Design mal fait. Ah, tu m'as battu. Tu meurs. Bon, bah, il restera comme ça alors. Du coup, donc là, on va où alors? Ah, c'est viré. Oui, bah oui. T'inquiète. Ah, c'est toi? Ok. Bon, alors. Bah, je vais venir en aide au château, moi. Parce qu'il commence à se faire envahir. Le château, ça fait envahir! Bah moi je vais tuer du rouge hein. Oh oui. Mais quoi ça se fait qu'il y en a encore des monstres en face de notre... Ok, ouais, on a qu'à des problèmes, il faut l'aider avant qu'elle se fasse défoncer. J'y arrive à deuxième. Ah, je vois des machins voler dans tous les sens là. Ah c'est bien hein, dynastie. Ah, il y a Bouche de Bresque dans les alentours.
franchement, les abonnés, on s'y prend. Moi, je parle même plus. Ah, mais non, mais ça, c'est... La voix off ne parle plus, on vous laisse profiter du gameplay. Non, mais tu sais, tu vois, si on dit, ouais, ce jeu, nanana... Mais quand on y joue, en fait, c'est... Mais t'es plongé dedans, en fait. Pourtant, moi, je suis un peu compliqué hein, sur les jeux. Hein, des et fois, moi, donc, hein. Alors. Ah, ouais. Mais celui-là, je l'aime bien, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'il me montre là? Des boss, des mini-boss qui vont aller casser la gueule à notre château si on se dépêche pas. Je rebrousse le chemin pour m'occuper d'eux. En fait, j'ai pas choix, on peut pas pour l'instant aller là. Bah, si, hein, si on aurait joué en mode aventure, on en aurait déjà pris plein la gueule. Je pense que j'irai beaucoup plus vite si je passe par là. Non, ils vont se téléporter et tout. Non ? Ah, ok. Non, je crois que c'est comme j'ai été voir Gé, on a débloqué un nouveau truc là. Ouais, ouais. Merci. Ça n'arrête pas. Hein. Ouais. Franchement. Fouh, et ben voilà. La menace est écartée. Le château pourra respirer. Enfin, faut que un château respire. Et moi, je fais toujours ménage. Hein. La force elle est à vous. Ah, je pense qu'elle a, dû... a voulu dire what. Voilà, bon. Un petit coin en bleu, ça fait tout le temps du bien, hein. Un petit coin bleu en bleu. Je me suis énervée. J'ai eu une mauvaise journée au travail. Ouais, ça c'est vrai que... Putain. Je n'ai pas besoin encore. En fait, ça va. Hein. Ouais, il est super hein, ce jeu, t'as vu mmh. En plus que toi qui voulais tâter des jeux vénères, tu me disais, ben, ça déjà pour un début, pour vénère, c'est pas mal. Enfin, c'est vrai que Street Fighter, c'est vrai que c'est vénère aussi. Mais... Oh merde, je n'ai pas utilisé ça.
Sandrine allait venir. Sandrine, nettoie tout, Sandrine. Ouais. Hé, hey, là, viens là, toi, bouche de braise, où tu vas, toi? Pourquoi il y a plein de ronds là? Pourquoi il y a plein de ronds? Mmh. Parce que c'est là où c'est qu'on doit se rendre. En mode vénère, après ça je vais vous mettre en mode vénère moi aussi. On fait quoi là? Essaye de le tenir en respect. Je vais atteindre la Triforce. Enfin, je vais accompagner l'autre vers la Triforce. Je le protège, c'est ça? Non, non, tu lui défonces sa race. À lui là? Ouais, à bouche de braise, ouais. Oui, il faut que je protège, c'est l'autre là qui descend vers le vers la pierre d'Irène. Il m'a tatoué. J'ai revécu. Bah sauve-toi alors. Bah sauve-toi. Faut bien tuer cet enfant, non? C'est à cause de moi? Ah, t'es amoureux. Bah ouais. Ah, t'es amoureux. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Pour une découverte. De toute façon, on reprendra là la prochaine fois. Oui, oui, oui. Bah oui, bah, oui, ça, on reprendra là. On notera même aussi l'endroit, comme ça au moins, on pourra reprendre là où c'est qu'on avait laissé. Mm. Voilà. Donc, on n'oublie pas le petit concours. Oui, le petit concours, donc, surtout, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir de vous faire gagner parce que franchement, on vous remercie tellement, vous imaginez même pas. Bah oui, c'est et un truc on n'oublie pas le petit like, du coup. Enfin, même si ce n'est pas pour le concours, au moins pour nous dire si ça vous a plu. Oui. Et puis, bah, un voilà. Petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, bah, pourquoi pas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, à ciao. Allez, ciao.